En décidé, changer procédé. Si vous voulez pas venir, c'est moi qui viens chercher. En qui fait 11 gens qui ou pas qu'on a. Ou pas qu'on a, non, non, ou pas qu'on a. Salut tout le monde, c'est Dilova. Retrouvez-moi tout de suite sur cette TV. Chanteuse incontournable de la scène musicale antillaise, Dilova est notamment connue pour ses titres à succès comme « Nous mélanger » ou « L'en mou ». Découvrez le portrait de cette auteure très inspirée. Alors Dilova, comment je peux vous expliquer ça? Ben, je suis une jeune artiste, tout simplement, originaire de la Guadeloupe, qui aime la musique, qui fait d'autres choses à côté, mais voilà, la musique c'est une passion et ça me représente, tout simplement. Pourquoi le pseudo de Dilova? Alors, le Di, c'est en rapport avec mon prénom. Donc voilà, c'est pour, on va dire, la petite connotation. Et puis Lova, tout simplement parce que j'aime la musique. Donc Lova, ça m'est venu comme ça. D'accord. Comment se sont faits des premiers pas dans le milieu? Alors, mes premiers pas, au départ, c'était pas dans le milieu, en fait. On va dire que dans la ville où j'habitais, il y avait des petites structures qui étaient mises en place pour les jeunes. Et il y avait un atelier musique et j'ai commencé par là. Après, j'ai voulu en savoir un petit peu plus, donc j'ai tenté, j'ai été choriste. Ensuite, j'ai commencé à écrire. Et puis petit à petit, voilà, j'ai fait des morceaux, je les ai mis comme ça sur Facebook. Et on a fini par me dire « Coucou, mais dis donc, ça te dirait pas de chanter, toi ?» Et puis voilà. En 2011, tu sors ton titre « Les hommes ». Sachant que tu es également auteur, tes textes sont-ils inspirés de ta vie? Alors ça dépend. Je peux m'inspirer de ma vie comme je m'inspire de ce qu'il y a autour de moi, de ce que je vois. Donc que ce soit les histoires de mes copines ou voilà, des choses que j'entends, je m'inspire un petit peu de tout ce que je peux voir, de tout ce que je peux entendre, comme je peux m'inspirer de ma vie. Ça dépend des morceaux. Mais ce sont souvent des histoires d'amour? Pas vraiment. Enfin, pour l'instant, oui. Je ne traite pas que des histoires d'amour, mais c'est vrai que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Tout le monde parle d'amour. Après, j'essaye juste d'en parler différemment et d'avoir une autre approche que juste l'amour, je t'aime, tu m'aimes, voilà. Tu as également collaboré avec Nicole sur le titre « Un amour d'été ». Comment s'est passée cette collaboration? Alors, c'est une rencontre en fait que j'ai faite grâce à DJ Elagi qui est mon producteur. Donc voilà, j'ai été amenée à rencontrer Nicole, qui m'a fait écouter un instrumental que j'ai apprécié et voilà, on a commencé à travailler un petit peu dessus et au moment de partir, il m'a dit bon ben écoute, tu rentres chez toi, tu m'écris un texte, tu me l'envoies et demain on pose. Donc voilà, j'avais l'inspiration, j'ai écrit, je l'ai envoyé et en 2 jours, c'était bouclé. Mais ton véritable succès, ça va venir avec le titre « Nous mélanger » dirigé artistiquement par le grand Warren. Pourquoi avoir voulu travailler avec lui? Alors Warren, c'est un des grands que j'écoute, que j'ai toujours écouté. J'ai commencé, on va dire, mes premiers zouks, c'était Warren, c'était Nicole, etc. Et donc, quand on m'a dit qu'il y avait la possibilité de rencontrer Warren, j'ai dit oui, tout de suite, parce que voilà, c'est un de mes artistes préférés. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, sa musique, je l'apprécie vraiment et voilà. Il est comment, Warren? Il est marrant. Non, il est vraiment drôle. C'est vrai que il a son petit univers et c'est quelque chose que j'aime bien parce que je suis assez décalée aussi. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on s'est bien entendu et que jusque-là, ça fonctionne. Il n'a pas été trop exigeant? Si, mais c'est ça que j'apprécie justement. En fait, je cherche à travailler avec des gens qui sont exigeants parce que je veux que ce soit bien, je veux que ce soit carré. Et plus on est exigeant, mieux les choses sont en fait. J'ai besoin de ça. Et il a eu raison d'être aussi exigeant puisque Nous mélanger, ça fait un véritable carton. Est-ce que tu t'attendais à un tel accueil, un tel succès de ce titre? Pas du tout. Alors en fait, je me suis retrouvée sur le fait accompli. On a sorti le titre, je me suis dit voilà, je suis contente, on a fait un joli clip, on a fait un beau morceau, j'espère que ça plaira. Et là, boum, je me suis retrouvée sur le fait. J'ai eu que des bons retours, que des sollicitations et je m'y attendais pas du tout. On te découvre également un tout nouveau look. À quoi est dû ce changement radical de style? Alors en fait, je voulais vraiment marquer la séparation entre le côté un peu amateur, un peu voilà, je mets mes morceaux comme ça sur YouTube, et vraiment le passage entre guillemets dans le professionnalisme. Et voilà, j'ai voulu marquer vraiment cette séparation, changer totalement de look, devenir un peu plus femme aussi, parce que c'est vrai que j'ai pris de l'âge entre mes premiers morceaux et là ce qui se passe maintenant. Donc voilà, il fallait vraiment une cassure
pour marquer la séparation. Pourquoi t'as choisi de faire carrière dans le zouk et pas dans un autre style musical ? Bah justement, en fait, j'ai pas choisi de faire carrière dans le zouk dans le sens où j'écris de tout parce que j'écoute de tout. Donc là, pour l'instant, en fait, ce qui est sorti, c'est du zouk. Mais c'est vrai que je touche à tout et voilà, il y aura des surprises. Je pense que certaines personnes ne s'attendront peut-être pas à ce qui va arriver, mais il n'y aura pas que du zouk. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Putain, t'as fumé, tu tiens pas le compte. Je te traîne à la jeune femme est connue pour de nombreux featuring avec des artistes masculins. Mais on aimerait bien savoir si elle serait tentée pour un duo ultra féminin. Dans les artistes, on va dire nouvelle génération, c'est vrai que j'écoute beaucoup les titres de Dory. Et sinon, dans les artistes qui sont un peu plus anciens et qui ont un peu plus d'expérience, j'aurais dit Karine. Et dans un autre milieu que le zouk ? Dans un autre milieu, ça serait plutôt masculin, encore une fois, et ce serait Monsieur Nov. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ton dernier titre, Recette à l'amour, est en rotation sur les ondes. Tu prépares actuellement ton premier album. Quelle sera l'orientation de celui-ci ? Comment dire ça ? En fait, il n'y aura pas une orientation précise, dans le sens où voilà, j'aime la musique en elle-même, je n'aime pas un style particulier de musique. Donc je vais essayer en fait, de mélanger tout ce que j'aime et voilà, de mettre tout ça dans un album en espérant que ça plaira. Tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets à venir ? Alors là, on a un titre qu'on est en train de préparer. Donc après Recette à l'embout, on laisse tourner un petit peu. On a un titre qui va sortir, un prochain encore et puis après on verra pour la suite. Pour plus d'informations sur Dilova, n'hésitez pas à la suivre sur tous ses réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner sur nos comptes Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. C'était Up sur 7, la nouvelle chaîne afro-PN.